Dénouement proche pour le procès en appel de l'explosion du cours Lafayette après le réquisitoire de l'avocat général qui demandait hier la condamnation de quatre entreprises dont GDF Suez et GRDF. La parole était aujourd'hui à la défense, restée une nouvelle fois muette devant les caméras. Toujours pas d'explication sur la position, non. Tous ont cependant pointé l'absence à l'époque de règlements clairs pour éviter l'explosion. Des arguments que peinent à entendre les proches de Stéphane Abbe, le sapeur-pompier tué dans le drame. C'est pas acceptable. Moi, depuis le départ, je le réitère encore aujourd'hui, moi, ma colère, elle est depuis le 28 février. Moi, Stéphane, c'est la victime directe. Et quand j'entends parler d'incompréhension, de manquement, ça m'est insupportable. La cour d'appel de Lyon devrait rendre son arrêt le 14 janvier prochain.